Je suis Ouedraogo Ganda Jean-Dominique, chargé de programme au sein de l'association MANA. Parallèlement à cela, je suis maître de cérémonie, formateur en art oratoire et en art du pitch. Je suis également coach en cours de certification et également consultant en innovation. La transition s'est faite à travers la vie associative. Donc, ce qu'il faut préciser, c'est que très jeune, dès le bac, j'étais un peu inséré dans tout ce qu'il y avait comme vie associative. Donc, j'ai découvert des associations que j'ai eu à fréquenter. Une en particulier qui m'a beaucoup appris, beaucoup aidé. Et c'est en militant dans cette association-là que j'ai eu à fréquenter la structure dans laquelle je suis aujourd'hui. À la base, c'était la ruche. Et donc, je me suis fait de l'expérience au-delà de ce qu'il y avait comme expérience académique. Donc, en gérant des projets, lorsqu'on avait des partenaires avec d'autres grandes structures, je représentais mon association auprès de ces structures-là. J'étais appelé à prendre des décisions, à gérer des équipes grâce à la vie associative, alors que je n'avais même pas encore eu peut-être de stage en entreprise. Mais j'avais les compétences pour pouvoir gérer des projets, gérer des équipes. Donc, à travers cette association, j'ai eu à avoir vent d'un recrutement et j'ai postulé. À la base, j'étais juste animateur. Donc, je devais gérer des personnes, faire de la programmation, animer certains ateliers, faire de la présentation. Mais par la suite, je suis monté en compétence grâce à un certain nombre de formations, soit par des structures burkinabées, d'autres formations données par des structures un peu internationales, qui m'a permis de passer en compétence, ou plutôt de monter en compétence et de devenir chargé de programme maintenant. Donc, comme je le disais, ce qui me permet de piloter un certain nombre de programmes et de projets, soit internes ou d'autres projets ou programmes qui sont faits avec de grands ou gros bailleurs de fonds. Donc l'argent doit être une conséquence, mais non ce qui motive vos choix. C'est réellement le conseil que j'aimerais vous donner. Et n'hésitez surtout pas à vous connecter au grand frère.